Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. C'est une box spéciale, donc ce sera ni beauté, ni bougie, ni cuisine. C'est quelque chose de complètement différent. Je suis tombée dessus un peu par hasard et j'ai eu envie de tester une fois pour voir ce que ça donnait. Donc pour vous présenter cette box, j'ai besoin de me transformer. Je sors ma baguette et bibida bobidi bouh! Ah mince, c'est pas le bon. Bibida Bobidi, Expelliarmus et compagnie, bouh! Ta-da! Et oui, il s'agit d'une box Harry Potter. Alors j'ai choisi cette box parce que donc j'ai toujours aimé Harry Potter depuis que je suis petite. En fait, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais gagné au concours de la bibliothèque. Avec le bon d'achat, j'avais acheté toute la collection Harry Potter et c'est comme ça que j'ai découvert donc les livres. Et j'aimais parce qu'en fait j'avais 11 ans comme Harry Potter dans le premier livre. Après voilà, je suis pas fan au point d'avoir plein d'objets Harry Potter chez moi, mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a des jolis objets de collection. Après c'est vrai que souvent donc les objets de collection sont assez chers et donc c'est pour ça qu'on n'en achète pas trop et que j'ai trouvé que l'idée de la box était une bonne idée. Après il faut voir ce qu'on a dedans. J'avais vu quelques vidéos donc parfois c'est bien, parfois non, il faut voir. Et donc après c'est vrai que maintenant on trouve un peu plus des objets un peu partout comme sur eBay, sur Amazon ou même à Primark. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'avais déjà acheté. Donc j'avais acheté ce costume, ça c'était pour la sortie du dernier livre Harry Potter. Et donc ils avaient fait des animations un peu partout, il fallait déguiser. Donc j'avais acheté, bon après au final les animations c'était un peu que pour les enfants. Donc voilà, j'avais trouvé ce costume. Donc en fait là le costume c'est juste la veste et j'ai acheté sur Amazon dans les 20 euros. Donc là vous avez l'insigne Gryffondor et vous pouvez choisir avec d'autres maisons. Et dedans vous avez une petite poche pour mettre la baguette. Donc ça c'est la baguette Harry Potter, je l'avais eu en cadeau quand j'ai acheté le livre le dernier, L'Enfant Maudit, donc à France Loisirs. Pour la ranger sa place. Ensuite, donc la cravate, j'ai acheté sur eBay, ça c'est pas cher, genre 2-3 euros. Ensuite, j'avais aussi pris sur eBay et sur Amazon, vous trouvez les écharpes. Donc ça, c'est l'écharpe, ça c'est quoi? C'est Poufsouffle. En fait, j'avais pris celle Gryffondor, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé celle-là. Du coup, j'ai dit après, donc ça, j'ai pu la garder, ils m'ont renvoyé celle de Gryffondor. Voilà, c'est des petites écharpes, mais bon. Si vous voulez aller à un truc déguisé, voilà, c'est bien aussi. Ensuite, donc j'avais aussi trouvé les petits bijoux, ça sur eBay, vous les avez vraiment pas cher, dans les 1 euro. Donc ça, c'est le retourneur de temps. Bon après, c'est sûr, si vous achetez le vrai noble collection, je crois que c'est, vous les avez plus cher et ça doit être plus qualité, ça. Bon, ça fait un peu plastique. Donc j'avais aussi pris un petit vif d'or. Et là j'avais aussi pris le collier de Hermione au bal. Donc tout ça sur eBay, vous trouvez plein de choses. Vous avez des stylos en forme de baguettes, des tenues. Il y a vraiment de tout. Et donc à Primark, je vous avais déjà montré dans ma vidéo haul Primark, j'avais trouvé des sacs cadeaux Harry Potter. Donc là c'est un grand et là récemment j'ai trouvé des petits. Donc là c'est un lot de deux, 1,50€. Et donc deux petits carrés cartonnés, trop chou. Et voilà, donc j'avais aussi acheté les tongs que vous pouvez voir dans une autre vidéo. Et j'ai vu qu'aussi il y avait des porte-clés Harry Potter, des objets de déco pour la maison. Vous trouvez souvent pas mal de choses à Primark qui est vraiment pas cher. Donc voilà, alors c'est parti. Donc la box, elle est là. Donc c'est Geekgear qui la vend. Donc je vous mettrai le lien en descriptif.
Et il propose donc une box Harry Potter avec un peu de tout, une box Harry Potter qu'avec des vêtements, vous avez toutes les choses qui se portent, et une box geek, un peu en général, vous avez plein de trucs de geek. Et donc, ben voilà, donc je vous mettrai en descriptif le lien et des codes promo si j'en trouve. Moi, j'avais trouvé un sur internet, j'avais utilisé ça. Et donc voilà, ben c'est parti. Donc là, c'est la box de juillet. Donc elle se présente comme ceci. Donc là, je ne l'ai pas du tout ouverte. Je vous fais la vidéo de suite. Bon, alors, j'avais peur que ça soit des trucs un peu trop geek, justement. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, je la sors du papier. Ça se présente comme ceci. Après, voilà, je vous montre. Ça peut être sympa pour faire un cadeau pour quelqu'un qui est fan d'Harry Potter. Vous pouvez vous abonner sur plusieurs mois. Là moi j'ai fait juste un mois, après je me suis désabonnée parce que je voulais vraiment juste tester, je voulais pas m'abonner parce que bon j'ai déjà pas trop de place chez moi pour stocker tout ça. Alors c'est parti, on ouvre. Alors ça se présente comme ceci, vous avez un petit papier rouge dessus. Alors bon déjà il y a un t-shirt, oui on vous demandait la taille de t-shirt à un moment. Alors bon, qu'est-ce que c'est? Quelle taille, je sais pas. Oui, je crois qu'ils ont mis S. Voilà, donc un t-shirt bleu, on a NS dessus avec une petite plante. C'est peut-être pour le cours des potions, je sais pas trop en fait. Donc bon, ben un t-shirt tout simple. Je le donnerai peut-être à mon petit frère. Ensuite, alors on a une petite boîte. Fitness Wizarding Outfighter Est 1468. Donc on ouvre. Bon, déjà, c'est bien emballé. Donc on a les lunettes d'Harry Potter. Bon ben ça c'est sympa pour se déguiser. Bon, moi je voulais faire plus Hermione qu'Harry Potter. Voilà. Vous pouvez mettre pour tous les jours si vous voulez, hein. Yeah, ça fait un 10 UV 400. Donc voilà. Ensuite, on a une autre boîte. Fitness Wizarding Outfighter S 1468, pareil. Là, on dirait bien une baguette. Et c'est sûr que si vous abonnez tous les mois, là, vous pouvez vous faire une grosse collection. Alors, à chaque fois, c'est bien emballé dans du papier de soie. Alors, c'est une baguette noire. Alors, je sais pas c'est la baguette de qui. Donc, ceux qui connaissent un peu plus doivent le savoir. Très joli. Donc, ensuite, vous avez un petit livret qui vous explique tout normalement. Et donc, voilà, le petit livre est là. Je regarderai après. Alors, ensuite. Je vais devoir regarder sur le livre parce que. Alors, donc ensuite on a ça. Bon, j'ai cru que c'était un blush. En fait, non. C'est une pièce de la chambre des secrets. C'est assez lourd. C'est vrai qu'en collector, c'est joli.
Donc voilà, une pièce avec les serpents. Ensuite, un petit nœud papillon Gryffondor. Donc là, en plus, vous pouvez choisir sur internet à l'avance la maison que vous voulez. Donc si vous aurez choisi Serpentard, vous aurez eu un nœud vert et jaune. Et là, hop, voilà, on peut s'accrocher. Je mets dans les cheveux aussi. Vous avez là une petite pince, une petite épingle pour vous accrocher. Ensuite, donc, dans chaque box, vous avez une jolie photo que vous pouvez encadrer. Donc là, voilà, j'ai la photo de la petite bête des Animaux Fantastiques. Donc c'est le Nifleur. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout, donc voilà tout ce qu'on avait dans la box de juillet. Donc voilà le petit livret qui vous explique tout ce qu'il y a. Bon, c'est écrit en anglais. Donc voilà la baguette, le t-shirt, donc les lunettes. Donc voilà tout ce qu'on avait dans la box. Bon, ben, j'ai trouvé que c'était sympa. Après, oui, donc c'est bien si vous êtes vraiment fan d'Harry Potter ou si vous connaissez quelqu'un qui aime bien pour faire un cadeau. Pourquoi pas un cadeau de Noël, d'anniversaire. C'est sympa parce qu'il y a plein de petits cadeaux dedans. Et ben, il y avait des choses vraiment cool. Après, oui, c'est peut-être un peu plus pour les gens qui sont très fans d'Harry Potter. Parce que, bon, pour une fois, pour un cadeau, une fois, parce qu'à s'abonner, c'est vraiment si vous êtes fan que vous aimez avoir plein de petits objets. Et ça vaut quand même le coup, puisque la box était, elle m'est revenue environ dans les 20 euros, parce que c'est en livres. Et donc après, il faut convertir en euros, ça faisait à peu près 20 euros avec le code de promo. Et donc en comptant les frais de port et tout ça, c'est pas mal. Pour 20 euros, vous avez plein d'objets. J'en ai eu combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc 6 cadeaux pour 20 euros environ. Donc ça vaut le coup. Donc voilà pour cette vidéo unboxing. Du coup, je vous mets tous les détails dans le descriptif avec le site où vous pouvez acheter. Et puis, ben, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez, si vous avez envie d'essayer la box et si vous aimeriez voir d'autres vidéos sur des box spécifiques. Voilà. Donc, on va remettre nos lunettes. Donc, merci d'avoir suivi ma vidéo. On se retrouve très très vite. À bientôt! Bibidi, Bobida, bouh! Même si c'est Disney!